Je garde, Julien Bugier tente un look, les réactions ne se font pas attendre. Ce jeudi 9 février 2023, Julien Bugier était comme toujours attendu sur France 2 pour présenter le journal télévisé du 13h. Et avant de passer devant la caméra pour résumer les sujets brûlants de l'actualité, le journaliste de 42 ans s'est octroyé un petit moment de détente avec sa collègue Valérie Hertel, laquelle présente une chronique autour d'initiatives positives et citoyennes intitulée « Une idée pour la France ». Sur Instagram, Julien Bugier a partagé une photo de cette parenthèse, lors de laquelle il s'est apparemment approprié les lunettes de vue de sa consœur. « Je garde les lunettes », chronique Feel Good du jour à Valérie Hertel, idée pour la France à France 2 à France TV. Les lunettes moins chères et recyclées, a-t-il légendé sa drôle de publication. Témoignant de sa belle complicité avec Valérie Hertel. Les commentaires des internautes amusés ne se sont alors pas fait attendre. Ah oui. Point le style vous va bien, ça vous va très bien, craquant avec ou sans. Mais carrément. C'est magnifique les lunettes, vous devriez les porter tous les jours. Julien, cela vous rajoute du charme et de l'élégance, peut-on lire. D'autres en revanche ont beaucoup moins validé cette prise de risque. Comment dire? C'est pas une obligation, catégoriquement non pour moi. Je ne retrouve pas l'éclat du regard, un look différent mais à choisir je préfère sans. Non sauf nécessité, lui a-t-on conseillé. Que ces derniers se rassurent, c'est bien sans lunettes que Julien Bugier a finalement présenté le journal de 13h. Le journaliste et Valérie Hertel se sont en tout cas assurément bien trouvés. Tous les lundis et jeudis de la semaine depuis 2 ans. La maman d'un beau gosse de 18 ans le rejoint sur le plateau pour présenter sa chronique. Une initiative dont elle est très fière. On s'adresse aux gens directement. Et en plateau. C'est détendu. Avec Julien, on essaie de casser les codes un peu rigides du JT. C'est une bulle dans le journal. Les retours sont plutôt positifs, donc on continue. Confiait-elle lors d'une interview pour Téléstar parue le 23 janvier dernier. Pour Télé Loisirs, elle s'est penchée par ailleurs sur sa belle relation avec Julien Bugier. Devenu un ami, on s'entend très bien, on va dans la même direction, y compris avec toute l'équipe du 13h. Julien est souvent très à l'affût. Quand on voit des idées, on s'envoie des petits textos pour discuter des sujets et on travaille vraiment ensemble. On est très content d'être en plateau tous les deux, 2 fois par semaine. J'espère que ça se sent.